Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous fais un petit haul Action. Donc là dans ces hauls, comme je vous les ai déjà dit précédemment, il va en avoir plusieurs condensés pour un mois. Parce que à chaque fois j'ai des petits trucs à vous montrer et c'est pas très intéressant pour vous. Donc merci aux nouveaux abonnés, merci aux abonnés actuels. Et ceux qui ne sont pas abonnés, merci de vous abonner juste en dessous, ça me fera très plaisir. Donc je commence ce haul avec ce petit coffret qui était en promotion, qui fait penser à un petit manège. Donc là il y a une brume pour le corps, un gel douche et une crème pour le corps, qui est plutôt sympa avec cette petite licorne là. Et ce coffret m'a coûté 2,49 €. Donc vraiment pas très cher pour un petit cadeau. Idée cadeau, c'est nickel. Ensuite, j'ai pensé à ma louloute. J'ai vu ces boules de bain qui étaient à 69 centimes. Donc je lui en ai pris une avec les princesses. Ça sent au travers, ça sent super bon. Donc les princesses, je lui ai pris les petites licornes. Et je lui ai pris la licorne dans les mignons. Les petits mignons comme ceci. Donc elle va être ravie, elle va être super contente. Voilà. Donc j'ai pris les petits brûleurs à 1,49 €. Les brûleurs, c'est des briques qu'on casse comme ceci et qu'on met dans le diffuseur. Ça sent au travers aussi. Donc ça, c'est vanille et cannelle. Ça sent le gâteau et un peu la pomme. Ça sent l'hiver, quoi. C'est pile poil ce qu'il faut en ce moment. Je lui ai pris, donc ça, c'est 99 centimes. Des petites barrettes parce que je les cherche. J'ai beau en acheter tout le temps. Elle les perd, je ne sais plus, je ne sais pas où elle est, où elle les enlève. Et... bref, je lui en ai repris des petites paires de barrettes. J'ai repris une boule de bain en forme de cœur qui elle aussi était à 1,49 €, pardon, il me semble. Tacata, si je recherche la boule de bain en forme de cœur. Oui, c'est ça, 1,49 €. Donc voilà. Là c'est pas glamour, mais bon, j'ai repris des petites charlottes pour quand je fais mes masques pour pas abîmer et salir tout simplement mon oreiller. Donc j'ai pris ces petites 44 centimes, hein, les trois, donc il ne faut pas s'embêter. J'ai pris des petites fioles pour les huiles essentielles, pour les diffuseurs. Donc celle-ci aussi c'était en promotion. Les 5, il me semble, attendez que je regarde. 1,44 €, donc... il y a vraiment de tout, hein. Ça passe de la fleur à... bah, je sais pas trop, c'est pas marqué en français, donc voilà, vous verrez sur place. Ensuite, j'ai pris cette huile que j'avais pas encore vue, avec la gamme Spa, si vous regardez mes précédentes vidéos. J'ai pris toute la gamme avec le gommage, les boules de bain, voilà, etc. Donc ça, c'était l'huile, donc qui se présente comme ceci. Donc ça va parfaire les soins d'avant que je vais faire. Donc c'est nickel. Donc cette petite huile était à... Huile. Que je vous dise pas de bêtises. 1,44 €. Donc voilà. Et donc j'avais pris aussi des noix de pécan à 2,39 €. J'avais pris aussi des Mars par 3 à 70 centimes. Et j'avais pris aussi les, vous savez, les nettoyants Surfine lave-linge par 2 à 1,69 €. Et j'avais pris aussi les Superfine nettoyant au lave-vaisselle aussi à 1,69 €. Et qu'est-ce que je vous ai pas montré non plus? Il y avait des petits gâteaux pour ma pépette, des Milka à 1,99 €. Pour la suite, des petites pépites que j'ai pris à Action. Donc je commence. Donc je me suis pris des collants à 100 deniers, bien épais, comme ceux-ci, ils sont bien doux, bien épais, pour avoir bien chaud pour l'hiver. Donc généralement je mets des gros trucs comme ça pour avec sous les robes, pour avoir bien chaud, parce que quand il fait froid dès le matin comme ça, c'est très très pratique. Et, SM Black de la marque Kate Leworth. Alors qu'est-ce qu'ils sont? Élastique, stretch et thermorégulateur. Donc ça c'est type que j'ai payé 2,99 €. De toute façon, je vous mettrai tous les prix au fur et à mesure sur le côté. Donc là, je vais rester dans les gourmandises. Donc j'ai repris des noix de pécan, comme ceci, à 2,39 €. J'ai pris aussi des noix à 1,56 €. J'ai pris deux paquets comme ça. Donc c'est des noisettes chocolat blanc, chocolat noir et chocolat au lait. Donc j'en ai pris deux paquets. qui était à 2,79. 2,78 pardon. Ensuite, j'ai pris un pousse-mousse là pour se laver les mains pour la petite fille en Reine des Neiges, forcément. Donc, c'est un contenant de 250 ml. Voilà, savon Disney, 99 centimes. Ça va. J'ai pris la mousse, la fameuse mousse sculptante pour le bain. Ça m'intriguait, donc je l'ai prise. Donc, mousse 1,59. Voilà. Malliable. J'ai pris 4 pots comme ceci pour mettre justement les petites noix, tout ça, je n'avais pas. Puis je cherchais exactement ce genre de choses, mais avec un couvercle en bois, mais j'en trouve pas. Ou alors c'est à des prix au moins 9 €. Alors que celles-ci, je les ai payées 1,46 €, donc ça valait vraiment le coup. Mais je pense que je vais aller m'en rechercher 2-3 comme ça. Voilà pour ce petit haul. J'avais aussi, je vous inclurai aussi une petite photo. C'est un jouet pour ma fille en bois. C'est comme un château avec il y a le roi et la reine en bois et puis son petit carrosse. Je vous inclurai aussi les petites photos parce que là je les ai ouvertes et on s'en est servi pour l'anniversaire de mon mari parce qu'il est 38 ans. Donc il y a le 3, le 8 que je vous inclurai ici avec le prix. Et j'ai aussi des bougies, un site de bougies basique bleu, voilà. Donc voilà, troisième et dernière partie du haul Action. Donc je vous montre, voilà, j'ai repris 2 pots comme ceci. Donc je mettrai les prix au fur et à mesure, je ne vais pas le dire oralement, je vous les mettrai sur les côtés. Donc j'ai repris 2 pots comme ça pour mettre la farine et le sucre dans ma cuisine. Ensuite, je pense qu'il vient. J'ai pris ces petites gourmandises, donc c'est des lions au caramel. Donc il n'en reste plus qu'un, hein, on a déjà commencé forcément. On n'allait pas attendre de faire ce haul pour les manger forcément. Donc c'est des lions sweet and salty, donc c'est salé, c'est au caramel beurre salé. Ils sont super beaux. Ensuite j'ai vu ces petits, j'en ai pris 2, ces petites c'est des, comment ça s'appelle, magnétique photo, c'est pour faire mettre des photos sur votre frigo, c'est magnétique et il y en a 2 de chaque, donc j'ai pris 2 paquets de ça, donc c'est pour mettre sur l'imprimante pour faire tout simplement vos photos. Et ça, j'ai trouvé ça super top. Donc je pense que j'irai m'en rechercher quelques-uns quand j'y repasserai. Ensuite, j'ai pris un shaker parce que le mien était cassé dans le rayon. Ah, j'ai pas vu, il y a 3 couleurs, bleu, vert et rouge. Donc ça, j'ai pas payé ça cher. Hein. Vraiment, c'est vraiment 500 ml. Et vous avez un réservoir en dessous si vous voulez faire votre mélange plus tard ou sur le moment. Donc ça, j'ai trouvé super sympa. Voilà. Ensuite, j'ai pris un petit gobelet comme ceci. Donc vous faites ça, hop. Je trouve ça mignon. Voilà, pour boire le petit thé ou un chocolat chaud le soir. Hein. C'est plutôt pas mal. Donc j'ai adoré. Il existe aussi en gris avec d'autres motifs. Donc, celui-ci. Ensuite, ça fait le temps que je voulais me prendre ce truc là, c'est comment dire, c'est pour les bouloches, pour éliminer tout ce qui est bouloche, pull, manteau, voilà. Je suis en train de me demander si je voulais pas déjà montrer ce truc, je pense pas, mais au cas où, voilà, le petit appareil, pardon, pour les bouloches. Ensuite, alors j'ai pris ces 2, j'en ai pris 2 comme ceci. Sont des housses de coussin, j'ai flashé dessus et ils sont supra doux en plus, donc j'en ai pris 2 comme ceci avec des liserés, je pense que vous verrez bien comme ça, hein, doré, c'est juste magnifique. Donc j'en ai pris 2, c'est pas vraiment blanc, c'est plus crème et cru, et j'en ai pris 2 marron, 2 comme ça, donc là aussi c'est un liseré doré. Donc j'en ai pris 4 comme ça pour mettre dans mon petit canapé. J'ai pris ces savons pour les mains, donc je trouve ça pas mal, c'est plus pour un cadeau que j'ai pris ce petit coffret qui est plutôt très joli. Donc il y a le hand wash et la lotion, donc vous avez pour vous laver les mains et pour hydrater les mains. Voilà, et c'est au coton candy, et ça sent super bon, j'adore. Ensuite j'ai pris des cotons comme ça pour mettre sous le sapin. Bon, j'en ai pris 2. Hein. Donc ils sont... Il y a 1 m². Et voilà, 1 m². Donc j'en ai pris 2 parce que 1 m, je pense que ça aurait été limite. Donc voilà pour ces petites mousses pour le sapin. D'ailleurs, je pense que je vais aller me racheter un sapin. Ils en font chez Action aussi. Ils sont pas trop chers. Je crois que c'est à 25 € le sapin d'1,80 m. Donc aussi, j'ai acheté ces petites chaussettes pour mettre, pour décorer, pour mettre les petits bonbons pour Noël. Puis même, ça fait des petites décos. Donc j'en ai pris un comme ceci. Et j'en ai pris un comme ça. Ils sont tout mignons. Les anciens étaient vraiment très abîmés. Ça faisait au moins 15 ans que je les avais. Donc pour cette année, j'en prends des tout neufs. Donc ça, c'est pour les enfants. Voilà. Ensuite, petite nouveauté chez Action. Foncez si vous ne les avez pas encore vus. Mais il y a des dopes. Donc il y a au Ferrero Rocher. Il y a au citron. Enfin, il y a plein de nouveautés qui sont... qui y sont depuis peu, ils sont déjà chez Action, je sais pas si vous allez me comprendre. Bref, donc celui-ci, j'en ai pris deux comme ça. Ça sent super bon, ça sent vraiment le gâteau. Ah, j'adore acheter les dopes, la collection de dopes avec chamallow, tout ça. L'hiver, prendre un bain, j'adore. Ça réconforte. Ma fille m'a fait acheter des petits chamallows comme ça. Mais ça sent super bon, ça sent caramel. J'adore, donc voilà, ça c'est quelques centimes, je crois, ensuite je me suis repris des gants parce que mes gants étaient dans un état, ils étaient bien abîmés, ça faisait longtemps que j'en avais pas acheté, donc c'est en simili-cuir comme ça, donc ça sera bien chaud, et à l'intérieur il y a de la moumoute, regardez, donc ça, ça doit tenir bien chaud, donc j'en ai profité pour m'en prendre une paire, ouais, en plus ils font super qualitatif, je sais pas ce que vous en pensez, mais avec des petits liserés au milieu là. Très sympa. Donc ça. Ensuite, j'ai repris des limes pour ma fille, la grande. Voilà, donc c'était tout simple. Hein. Quelques centimes aussi. J'ai pris là, trois ampoules comme ceci pour ma cuisine. Donc je ne vais pas vous montrer les trois, c'est les mêmes. Donc comme ceci. Donc elles font 23 watts. Et voilà, c'est des Philips. Donc voilà, celle-là, je n'ai pas dû les payer très très cher. Donc je vous mettrai aussi les prix. J'en ai pris aussi pour mon salon, c'est des petites comme ceci. Bon, j'avais déjà été les mettre parce que franchement, elles claquent les unes après les autres. Donc franchement, pile poil avant l'hiver, généralement. Donc c'est des 18 watts. Et c'est ouais, des énergies D, mais bon, c'est vrai que le salon, on n'allume pas beaucoup. J'allume beaucoup plus les petites loupiottes, les trucs comme ça, hein, les lampadaires. Voilà, donc ça c'est le couette. Voilà, et enfin j'ai pris ce panier en doré comme ceci. Vous allez voir en entier, c'est pour mettre mes petits plaids dans mon salon. Voilà, j'ai trouvé plutôt pas mal, très joli. Et franchement, dans le décor, ça fait plutôt pas mal. Donc voilà, pour ce petit haul avec les trois parties, j'espère que vous n'allez pas en avoir marre. Hein. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.